Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, on va parler KVK avec l'ouverture des portes du KVK JWM contre les OV. On va parler nouvel event avec le pop du Royaume Doré. On va parler de trash talk aussi. Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est super simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous le savez à présent, on y parle de tous les jeux que vous voyez sur la chaîne et bien plus encore. Et on approche tranquillement du plafond des 1000 personnes dessus, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Les amis, on va commencer avec le pop des nouveaux events tranquillement. Et n'oubliez pas, la roue de la chance, normalement, c'est le dernier jour à aller jusqu'au 10 tours, si vous pouvez vous le permettre. Allez, nous, on va y aller. C'est mon cinquième tour là. Hop là, je prends un accélérateur qui ne sert pas à grand-chose. Et j'ai le choix, soit je fais 5 x 3600, soit je fais une roue à 400 pour les 5 derniers. Le calcul, il est simple. Soit je fais 400 et après je fais 3200 de gemmes, ça fait 3600. Soit je fais directement les 5 tours, c'est exactement la même chose au final. Donc autant faire le lancer 5 fois. On va voir tout de suite, est-ce que je vais avoir 8 têtes, une tête, c'est déjà pas mal. Un petit 8 têtes, non, 2 étoiles, on s'en fout. On reprend des accélérateurs qui ne servent à rien. 4 accélérateurs encore qui servent encore à moins de choses et du bois. Bon, un petit tirage bien moisi, c'est bien, on a l'habitude, mais surtout ce qu'on voulait, c'était ce coffre-là qui rend le tirage rentable. La taverne légendaire, hein, toujours pas de surprise, on a toujours notre tour gratuit tous les jours. Là, on n'est pas pressé, donc j'ai eu une sculpture. Hop là, je vais faire mes 3 clés tout de suite avec vous, comme ça vous allez voir comment j'ai bien pas de chance. Comme vous, on est propre, et voilà, j'ai eu juste une tête toute nasse, ça devait être avec un 10e tour, c'est pour ça. On va s'intéresser au calendrier, on le voit, il n'y a rien de spécial à part le Royaume Doré qui a pop. Et je vais revenir sur le Royaume Doré tout de suite puisque vous me posez encore beaucoup de questions. Je vous ai fait une vidéo tuto dessus, mais apparemment tout le monde n'a pas tout compris. Donc rapidement, je vais vous montrer comment réussir cet event. C'est assez simple, donc vous le lancez, hein, forcément, sinon vous ne pourrez pas faire l'event. Hein. On passe tout ça, le pitch qui va servir à rien. On définit nos troupes. C'est assez simple, je vous l'ai dit. Moi, mon conseil, c'est remplir la première ligne. Et vous savez, je n'ai pas actuellement des commandants de ouf. Ils ont du bon stuff, mais pas de ouf. Donc, vous remplissez cette première ligne. Je vous conseille de la remplir en full infanterie. Donc, vous mettez que de l'infanterie sur cette première ligne selon les commandants que vous avez en stock. Hein. Donc moi, j'en ai plutôt pas mal sur l'infanterie puisque c'est ce que je préfère. Donc vous le voyez, vous chargez. Hein. Pour la quatrième ligne, en général, comme je n'ai plus suffisamment de commandants d'infanterie, eh bien moi, je mets un petit binôme juste pour bien remplir. Un César, et regardez, en second, je vais mettre son pote. Donc là, comme ça, je vais avoir une grosse unité de 276 000. Comme ça, elle est bien pleine. Et derrière, en revanche, mettez ce que vous voulez. Moi, en général, je mets un truc qui fait un peu de DPS. Donc, je mets un petit Edouard YSG. Ça fait bien le taf en full archer. Voilà un peu la configuration. Je la bouge pour qu'elle soit un petit peu plus performante. Je la mets comme ça. Comme ça, on a Guan qui est un binôme costaud chez moi. Et Alexandre qui est costaud aussi. Et là, il n'y aura pas de souci. Vous confirmez, évidemment, quand vous allez... Après, ça va être vraiment durant la zone de combat. Il y a aussi un petit peu de hasard, bien évidemment. Mais surtout, ce qu'il va falloir regarder, c'est quand vous allez avoir des buffs, il faut toujours privilégier les buffs de la première ligne. Évidemment, vous avez mis 4 unités dessus. Donc, on privilégie toujours les buffs de la première ligne. Si vous avez des buffs de soins, il faut les prendre. Prenez toujours aussi les bonus des soins, puisque le but est de sortir de la bataille avec des unités qui auront été soignées. Et quand vous faites la carte, commencez toujours par les plus petits combattants et finissez par les plus grands. Si vous suivez tout ça, normalement, il y aura zéro surprise. Ah, moi, je suis sorti déjà par erreur. Il y aura zéro surprise. Vous finirez toujours en arrivant au dernier niveau. Moi, c'est ce qui m'arrive toujours. Vous le voyez, hein, j'ai débloqué une troupe plus... là, j'ai débloqué, ça s'appelle comment? Un gardien d'élite. Mais je ne le fais pas. J'essaye de trouver des gardiens sbires d'abord et vous les faites. Et vous finissez évidemment par les plus puissants. Ça permet, si on débloque du soin, une tente de soin, de pouvoir l'utiliser à la fin.
Vous le voyez, quand j'ai un buff, hein, je vous le disais, augmente les dégâts de contre-attaque des troupes de 5%, ça c'est pour tout le monde. Réduit l'attaque des troupes ennemies de 3%, c'est pour tout le monde. Chaque fois que vous remportez une bataille, augmente la défense de vos troupes de 1%. Je vous conseille de prendre celui-là. Moi, c'est celui que je prends à chaque fois. Hop là, augmente la défense des premières lignes. Donc en plus, j'ai de la chance, je suis tombé sur le bon buff. Et vous le voyez, hein, je continue à faire les sbires. Je vais vous faire que ce premier plateau, hein, ça sera pareil pour tous les autres. Il y a vraiment zéro surprise. Donc, vous voyez la tente dont je vous parlais, hein, la hutte du guérisseur. Hein, c'est pour ça que je la garde aussi sur la fin. J'ai débloqué aussi le boss. Voilà, ce premier plateau, il a vraiment zéro surprise. Tac, est-ce que je vais avoir d'autres trucs de soins? Voilà, alors, augmente la défense de toutes les unités de cavalerie de 10%. Bah non, j'ai pris que de l'infanterie. Réduit les dégâts subis par les troupes de première ligne de 2%. Augmente la défense des troupes de première ligne de 10%. On va reprendre celui-là. Vous le voyez, c'est vraiment un avantage de focus sur la première ligne, puisque le buff s'applique à 4 troupes. Voilà, il ne me reste plus que 2 unités, le gardien d'élite et le boss. Du coup, je vais aller plier le gardien d'élite. Alors, je pourrais me prendre la tête. Vous voyez, là, en plus, je réorganise même pas mes troupes en fonction. Hein. J'y vais vraiment à la bourrin. Je pourrais me prendre la tête à réorganiser mes troupes en fonction des troupes ennemies et de la disposition. Par exemple, là, mon Guan Yu et mon Alexandre étant plus forts, je mets les deux en haut. En bas, on va avoir plus de soins que de DPS. Donc, je mets Guan en haut, Alex en second. Je pourrais même mettre lui derrière et ils vont être à 2 sur Artemis. Ils vont la déboîter et je pourrais même faire ce petit changement-là. Et là, c'est le schéma le plus favorable où je peux perdre le moins d'unités. Voilà, là, j'ai les bonus. Toutes les unités de cavalerie infligent, j'en veux pas. Augmente l'attaque des unités d'infanterie, ça je veux. Réduit tous les dégâts subis par la première ligne de 5%. Donc soit je prends de l'attaque, soit je prends de la défense. Là pour le coup, je vous conseille de prendre la défense à 5%. Voilà, normalement j'ai tout fait. En plus j'ai 2 huttes de guérisseurs. Donc je vais finir le niveau full comme si j'ai commencé direct au niveau 2. Je finis avec le chef gardien. On va voir le bonus qu'il me propose. Le chef gardien, j'inverse les 2 unités. Harald il va faire mal. Richard il va rien faire derrière et donc on va se mettre comme ça. Normalement ça devrait limiter les pertes, vous voyez, avec Guan qui a perdu 85 000. Et qu'est-ce que j'ai en bonus? Esprit intact, augmente la santé de toutes les unités d'infanterie de 20%, pas mal du tout. Embuscade, je trouve il sert à rien. Et le dernier, les effets de soins reçus par les troupes sous votre commandement augmentent de 20%. Là j'hésite entre potion d'énergie ou esprit intact. Je vais prendre potion d'énergie puisque je vous ai dit, on favorise le soin. Ensuite, mes troupes, je les soigne, on sort, on est à fond et c'est fini. Suivez cette consigne, ce que je viens de faire là pour les 20 niveaux et ça va être easy. Le meilleur des buffs à avoir est celui qui vous donne soit de la vie en plus à l'unité qui sera le plus faible au début de chaque combat. Et de loin, le meilleur selon moi, c'est celui qui vous rend un pourcentage de vie à toutes vos troupes chaque fois que vous gagnez un combat. Là, c'est le top, vous sortirez toujours full et c'est là que vous allez assurer. Il y a aussi celui qui vous donne une 6e ou une 7e ou une 8e unité si vous l'avez plusieurs fois. Ceux-là aussi sont les meilleurs buffs. Voilà pour le Royaume Doré. Suivez ça, vous verrez, il n'y aura pas de surprise. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir demander sur le Discord. Hein. On vous aidera vraiment volontiers. On va à présent, les amis, passer à ce KVK énormissime des JWM et des OV. Et ce petit trash talk hein, qui a lieu hein, sur Facebook, hein, sur le Facebook officiel et sur le Discord officiel, mais c'était prévisible. Avant cela, vous me demandez tous les jours, même plusieurs fois par jour, si maintenant que l'annonce du patch a été faite, est-ce qu'on ouvre nos clés? On va les ouvrir très prochainement, les amis. Ça sera l'occasion de voir ça dans une autre vidéo, mais très prochainement. On va ouvrir tout ça maintenant que l'annonce a été faite et qu'on sait à quoi s'en tenir. J'y reviendrai justement lors de cette vidéo. Avant d'aller sur les OV, regardez donc le genre de trash talk qu'on a sur le Facebook groupe officiel de Rock. Par exemple, notre ami Mero Fussi K1 qui taunt les JWM, Ryu, Xing, qui leur dit « Les gars, la porte est ouverte, où êtes-vous ?» Donc, c'est ce genre de choses, puisque vous allez le voir, ça ne se passe pas bien pour les JWM. Et on peut se demander si ce n'est pas la fin des JWM et de Baba sur le royaume 1059. On dézoome, on y va
tout de suite les portes de niveau 4 ayant ouvert, on va chercher le 10-59. Au passage, vous le voyez, hein, on était 5 Imperium sur mon KVK au départ. Il n'y en a plus que 3 pour le moment. C'est simple, les 3 qui n'ont pas combattu pour le moment. 10-59 des JWM. Où êtes-vous, les amis? Voilà, face au 10-52 JWM hein, qui n'est plus Imperium. On est parti sur le C1-10-10. C'est simple hein, pour s'en souvenir. Et regardez, donc alors attendez, avant de rusher, qu'on regarde où sont exactement nos amis des JWM. Regardez, le 10-59, il est sur le Royaume Feu, il est en haut à droite. Enfin, c'est pas feu, c'est terre ça. Il est en haut à droite. Le feu, c'est les 10-52, les OV sont en haut à gauche. Donc forcément, là, le fight a lieu sur la zone 4 entre les deux, on est parti. Donc ici sont les JWM, hein. On les voit là, les JWM qui actuellement, malgré la perte, hein, regardez, ils sont à 8 milliards là, ça fait ça même pas, c'est JWM. Attendez, j'allais dire, ils ont changé d'alliance pour être tombés à 8 milliards seulement. Où est la forteresse principale des JWM? JWM, où êtes-vous les amis? Elles sont là sur cette zone de contact, tac, JWM, et regardez, hein, elle est en JWM, hein, j'ai du mal, voilà, JWM, la JWM, elle est en réparation, elle est plus en feu, 15 milliards 7, c'est quand même mieux, même si c'est moins haut que ce qu'on a vu. En face, ils ont les OV, qui eux sont pas mal aussi, hein, 13 milliards, mais moins puissants, et donc on a cette porte 7 ouverte, cette zone de contact, regardez, hein, on est sorti en Villa Villa, il n'y a pas de mystère, hein. Il n'y a pas de JWM du côté de Villa Villa. Et les JWM sont donc en défense sur Sakaka. Regardez donc les JWMI, comme vous l'avez vu, hein, qui est une alliance sub. Eh bien, ça brûle bien, ça se fait bien démonter. Hein. On a des troupes du K52, des OV qui sont là, qui occupent l'open field. Hein. On descend plus bas, on a vu que la forteresse des JWM, elles ne brûlent pas. Les TMW, qui est une sub aussi JWM, bah, elles brûlent. Une petite sub, en revanche, hein, 3 milliards 9, juste de quoi mettre les farms et créer des forteresses. En face, ça ne brûle pas du tout. Hein, les LV, on a vu les OV, ça ne brûle pas. Sur le terrain, on a les OV qui sont là, les OV qui sont des deux côtés de la porte qu'ils ont prise à présent. Et malheureusement, donc on parlait de Xing dans le Taunton. Où es-tu, mon ami Xing? Xing qui est déjà monté à 170 millions, 18 millions de morts. Donc un gros combattant. On ne le voit pas. On ne voit pas les JWM. Hein. Certains disent que c'est des multimillionnaires farmers. Mais là, sur ce KVK, ils prennent une bonne correction. On a notre ami Baba qui est ici sur son compte secondaire. Hein, pardon, compte secondaire de Baba. Compte secondaire à 123 millions. Hein, c'est quand même propre comme compte secondaire. Le mec, son compte secondaire, il est plus haut que mon compte principal. Ouais, c'est bien ça. Il est plus haut. Il est monté à 131 millions. Heureusement, pour le coup, pour les JWM, là, Baba est là, se bat avec ses 7 troupes. Il remplit en boucle hein, les flags, mais ça ne suffit pas. Combien a perdu Baba de puissance? On va regarder ça tout de suite, hein, membre de l'Alliance, Baba, et il n'a pas perdu tant que ça en fait, hein, il a combattu, mais il a refait peut-être des troupes, hein. Il a perdu à peine 30 millions quand on voit combien perd Bunny, hein, 30 millions sur 1 milliard, 100, ce n'est pas grand-chose. Il a 7 milliards de points de meurtre, hein, c'est très très haut déjà, un très gros score. Mais voilà, on le voit, les JWM donc sont à la peine, sont en détresse, et certains reparle. Alors on a vu plusieurs tentatives hein, de fake news, de prank, comme je l'ai fait, j'ai lancé une mode hein, sur le fait où Baba allait aller, et celle de la nuit, c'est le fait que notre ami Baba, regardez ce screen, partirait sur le serveur 14-12, hein, on le voit, il a fait une donation lors d'un stream, il est toujours dans la même donation, hein, Baba, il donne de quoi acheter un pack en or, en coffre en or à 110 euros pour nous Européens, il a fait une donation sur un streamer du 14-12, hein, 1412, et donc la rumeur est lancée comme quoi Baba irait après le KVK sur le 14-12. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un fake? C'est comme d'autres fakes, hein, on a vu des annonces qu'il allait sur d'autres serveurs, je vous l'ai dit. On a lancé une mode, maintenant tout le monde voit Baba ailleurs que sur son KVK. Donc, on va voir comment ça va se finir, mais là, je pense que ce KVK est plié pour les JWM. Sachant que, comme je vous l'ai annoncé, beaucoup vont migrer, au moins une trentaine
vont migrer sur le 1916, j'insiste, 1916 de Dragossien et non pas le 1906, comme j'ai pu dire par erreur. Je me suis corrigé dans la vidéo qui suit. Donc 1916, beaucoup de JWM vont y aller. On va voir ce que ça va donner. Et à mon avis, ils ne vont pas claquer leurs troupes, car de toute façon, à leur niveau pour tous, c'est déjà 75 passeports le maximum. Vous vous demandez aussi beaucoup combien ça coûte à Baba de migrer. Ben, au-dessus de 100 millions, c'est 75 passeports. C'est déjà plafonné, donc ça ne bougera pas. Hein. Qu'il ait 200 millions, 200 milliards de puissance, c'est pareil, c'est 75 passeports. On reste sur ce ratio-là. On va finir, les amis, en allant voir cette fois un royaume où ça ne lâche vraiment rien. On refait le point sur le plus épique des KVK du moment, le KVK du 1254. Hein. Hop, c'est bien cette barre de recherche, hein. Elle fonctionne même très bien. Le 1254 n'est plus Imperium, le 1365 de Shawnee n'est plus Imperium non plus. Seul reste Imperium le 1375. Ils étaient 3 Imperium au départ. Ils ne sont plus que 2, tant mieux, ils vont pouvoir accueillir des migrants. Et est-ce que les TR tiennent toujours le choc face au JST? Voilà, j'ai eu du mal entre JWM et JST. Ne pas confondre, ça n'a strictement rien à voir là pour le coup. Eh bien, regardez, même si... Alors, c'est la fête de la forteresse. Je n'ai jamais vu autant de forteresses sur une zone. Regardez, alors, les pics sont sur une autre, hein, mais on a Wet, Wet 2, 1, 2, 3... Donc, on en a 3 d'un côté. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. On a 30, 31, 32, 33, 34 forteresses en zone Brookton. Record à battre. 34 forteresses sur une seule zone de KVK. Un seul terrain en Brookton. Battez 34, ça fait énormément de forteresses, les amis. Et donc, on le voit. Donc, les TR ont mis du TR2 là-haut pour se couvrir et ils ont mis une forteresse TRP. Je pense que la TRP doit brûler, peut-être. La TRP brûle, c'était évident. La TR2, elle ne brûle pas car elle n'a pas de territoire ennemi en contact. Elle l'a dû en avoir puisqu'elle est en réparation. Et les TR qui sont là, eux, tiennent. Donc, vous le voyez, hein, les TR n'ont rien lâché. Ils sont encore là, malgré tout, les TR, même s'ils sont dépassés, même si, bien évidemment, ils n'auront jamais le sanctuaire et ils n'iront pas en terre du roi, eh bien, les TR tiennent toujours le coup. À combien est tombé notre ami Bunny? Est-ce qu'il est remonté? Hop là, regardez, on va aller voir ça tout de suite. Membre de l'Alliance. Notre ami Bunny est remonté un petit peu puisqu'il est descendu à 60 millions de puissance. Il est remonté à 75 millions. Il a passé les 10 milliards de points de meurtre. Hein. Il est bientôt à 10 milliards et demi. Et il a passé les 90 millions de morts. Ce joueur est tout simplement énormissime. On va voir, après le KVK, à combien il va remonter. Je vous rappelle, il était à 363 millions au début de ce KVK. Lorsqu'il a fini mon KVK, le KVK contre moi, ce qui était le précédent KVK, il a fini autour des 100 millions de puissance. Il devait être à 110 millions, si je ne dis pas de bêtises. Donc, durant les 2 mois d'inter-KVK, il avait pris tranquillement 240 millions, même 250 millions de puissance. Donc, à mon avis, il est plutôt détente. Et encore une fois, il ne lâche rien. Et franchement, je ne suis pas certain que ce soit fini quand je vous dis que les TR n'iront pas en Terre du Roi. On peut avoir une bonne surprise, hein, de leurs alliés, hein, au sud. Hein. On va bien voir parce que sur cette zone-là, ils ont leurs 2 alliés. On va voir, ça se trouve, on peut avoir une très bonne surprise. Même s'il est très peu probable car le 1375 qui est encore Imperium reste très puissant. Et les JST aussi restent vraiment très puissants. Et en parlant des JST... Hein, un joueur qu'on passe un peu sous silence et à tort, car c'est un très grand combattant aussi. Regardez, des membres de l'Alliance, est-ce qu'on va le trouver? Est-ce qu'il est là? Je cherche, hein, c'est Zangbot, je crois que c'est ça son nom, ZZ Zangbot. On ne le trouve pas, je ne le trouve pas. Là, si ça se trouve, il s'est renommé, je ne trouverai pas où il a bougé d'Alliance. Z Zang, est-ce que... Non, c'est pas lui.
C'est Zhang Bot, très précisément. Ça se trouve, c'est lui, hein, il a chuté. Non, il ne peut pas avoir autant chuté. Il était à 500 millions et il a perdu lui aussi plus de 300 millions de puissance. Je ne le trouverai pas là. Tiens, on a une copie de John Wick. Je ne le trouverai pas là. Il doit avoir bougé. Il est peut-être chez une de leurs, pas de leurs subs, hein, mais une de leurs secondes alliances. Je ne la vois pas, la M. Je la cherche. Non, je ne la trouverai pas. Si, la MTC1 peut-être. Il est là, tac, on va voir s'il s'est mis là, ça sera l'occasion de vous montrer. Non, il n'est pas là non plus. Je le trouverai, je vous ferai un screen et je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock.